Bien, je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît, afin que nous reprenions. Alors, nous allons entamer la seconde partie de cette journée et en fait plus généralement de cette rencontre. Alors je ne sais pas si les organisateurs de ce colloque avaient dans la tête de garder le meilleur pour la fin, mais en tout cas, à coup sûr, de garder le plus croustillant, voire même le plus inflammable peut-être, en tout cas assurément les questions les plus sensibles. Je ne vais pas revenir sur ce dont vous avez apparemment déjà beaucoup parlé depuis 24 heures, les questions relatives notamment à la prise en charge des frais funéraires des anciens parlementaires, questions qui passionnent les Français depuis quelques jours. Nous ne manquerons pas, je suis sûr, lors de la prochaine table ronde, de revenir sur certains épisodes relatifs à la précédente élection présidentielle française qui, évidemment, ont conduit là aussi tous les Français à se passionner pour le statut de collaborateur d'élu. Évidemment, et c'est ce qu'on va essayer de montrer, je crois, ce matin et cet après-midi, derrière ces aspects un peu anecdotiques, peut-être, pas toujours, mais en tout cas superficiels à certains égards, ce que la presse aime à nous raconter chaque jour, évidemment des questions de fond extrêmement profondes se posent, puisque en parlant du statut des élus, ou plus exactement du financement de ce statut, et puis on le verra ensuite, du statut de leurs collaborateurs, on est évidemment au cœur du réacteur nucléaire de la démocratie, si je puis dire, de son financement et donc finalement de son fonctionnement. Alors, on va ce matin un tout petit peu bouleverser, mais seulement à la marge en fait, les choses, le programme. Donc nous envisagerons successivement, comme c'est prévu, le statut des parlementaires en tant que tel, puis des parlementaires européens, et enfin des groupes parlementaires, question extrêmement, extrêmement importante et peut-être assez mal connue en France, en tout cas, je ne sais pas pour l'extérieur, mais c'est quelque chose qui me semble moins présent dans le débat public, et pourtant sans doute essentiel. Alors avec nos intervenants sur place, et puis on est à la pointe de la modernité, puisque Madame Dely, parlementaire européenne, interviendra par voie de vidéo dans un instant, un peu plus. Et en revanche, nous devrons regretter l'absence de Monsieur Thiers, retenu à Paris, si j'ai bien compris, mais Damien Conil, qui est exceptionnel, je suis sûr, pourra assurer doublement le rôle qui lui sera dévolu. Je donne immédiatement la parole à Monsieur Bergougnou, donc qui est directeur du service juridique de l'Assemblée nationale. Alors, que ce soit Gilles qui commence, à mon avis. Ah bon, d'accord, alors pardon, j'ai mal compris les indications. Donc en réalité, ce sera Gilles Tout-le-Monde, qui est maître de conférence à l'Université Lille, qui va engager les discussions. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous nous sommes répartis le travail entre Georges Bergougnou et moi, et je traiterai de l'indemnité parlementaire, tandis que Georges Bergougnou, dans un second temps, traitera des frais de mandat. Alors ce sujet de l'indemnité, et plus globalement celui de la rémunération des parlementaires et des hommes et des femmes politiques, même encore, est l'un de ceux qui, effectivement, suscite le plus le regard méfiant de la part des concitoyens. Trop payés, magouilles, compléments de rémunération occultes, et je n'oublie pas qu'on est au Luxembourg, paradis fiscal, sont des expressions qu'on emploie très fréquemment s'agissant de ce sujet. Et elle débouche sur un tous pourri, nourri à la fois d'antiparlementarisme et de populisme. Il faut dire que longtemps, les assemblées ont elles-mêmes jeté un voile pudique sur les indemnités et autres frais de mandat qui ne laissaient voir aux citoyens que ce qu'elles voulaient bien montrer. Cette attitude a pu encourager des sentiments antiparlementaristes que j'évoquais. Et parfois, reconnaissons que les comportements individuels ou collectifs des parlementaires ont pu attiser le feu de l'antiparlementarisme, comme en 1906 en France, lorsque les chambres votèrent un quasi-doublement de l'indemnité parlementaire en catimini et de manière ultra rapide
À titre d'information, par exemple, le rapport de la commission sénatoriale a été élaboré en moins de 2 heures, ce qui est quand même, je crois, un record. On trouve la même situation au Royaume-Uni, lorsque les parlementaires en sont venus, on l'a exposé hier, à se faire rembourser des dépenses sans lien apparent avec leur mandat, de la nourriture pour chien ou un abri pour canard, par exemple. Le temps de cette opacité est assez largement révolu, même si certaines assemblées demeurent discrètes quant au statut financier de leurs membres. Désormais, la lutte contre ces sentiments antiparlementaristes passe plutôt par un effort de transparence sur ce point. Et à ce sujet, je me permets de remercier ici tout particulièrement les présidents des assemblées allemandes, suédoises, danoises, belges, bulgares et polonaises pour les renseignements qu'ils nous ont aimablement fournis à la suite de notre sollicitation. Et j'avais adressé un questionnaire à l'ensemble des présidents des assemblées parlementaires des premières chambres, plus exactement, de tous les États membres de l'Union européenne. Et donc, vous pourrez apprécier une transparence tout à fait différenciée des assemblées, puisque je n'ai mentionné ici que les réponses que j'ai obtenues. Alors, cette plus grande transparence, elle s'est accompagnée également d'une volonté de se montrer plus vertueux s'agissant des questions financières liées au mandat. Et ainsi, de nombreux États ont mis en place, ça a été évoqué hier s'agissant de l'Italie notamment, un gel, voire une diminution de l'indemnité parlementaire à l'occasion de la crise qui a secoué la fin des années 2000. Malgré ces nombreuses évolutions, le statut des parlementaires demeure encore source d'antiparlementarisme et de nombreux écrits au caractère polémique tout à fait évident continuent d'être publiés sur le sujet. Ce que nous allons essayer de dévoiler un petit peu, on va essayer d'éclairer un petit peu ces zones d'ombre qui demeurent, en relevant d'abord que l'indemnité parlementaire est une condition de la démocratie, et cette condition de la démocratie suscite tout de même un certain nombre de débats quant à la nature intrinsèque de l'indemnité. La démocratie représentative ne saurait se passer de l'indemnité parlementaire et de ce point de vue, elle est généralisée au sein de l'Union européenne, mais ses modalités de mise en œuvre divergent. Elle est une condition de la démocratie dans la mesure, j'irai assez vite, où elle permet à la fois d'assurer une nature plus pleinement représentative du mandat et également un suffrage plus pleinement universel. S'agissant du caractère plus universel du suffrage, il est clair que si on ne développe pas l'indemnité parlementaire, en réalité, le suffrage demeurera réservé, en tout cas la représentation demeurera réservée à ceux qui avaient le monopole du suffrage avant sa généralisation, c'est-à-dire à ceux qui sont capables de payer le cens. Et donc la gratuité du mandat n'est qu'un cens déguisé en réalité. Et cette exigence est d'autant plus grande que les incompatibilités, le développement des préventions de conflits d'intérêts aboutissent à ce que les parlementaires soient obligés d'abandonner un certain nombre de mandats ou d'activités qui sont mises en sommeil pendant le mandat et donc une source de rémunération en moins. Il y a une seconde justification qui est donc à cette indemnité de favoriser l'indépendance des parlementaires. Elle la favorise d'un double point de vue. D'abord en assurant, je le disais, la nature plus pleinement représentative du mandat. Elle rompt, cette indemnité, le lien entre mandant et électeur qui pouvait caractériser, par exemple, le tiers-État. Les députés du tiers-État étaient rémunérés par leur mandant. Désormais, on ne trouve plus ce genre de choses en Europe, si ce n'est tout de même dans le Bundesrat allemand où les élus ne disposent pas d'un mandat véritablement représentatif. En fait, les membres du Bundesrat sont rémunérés par leur Land dans la mesure où ce sont des membres des exécutifs de chacun des Länder. En Belgique, également, il y a une petite particularité. 50 sénateurs sont élus pour représenter leur entité fédérée, et ils sont donc rémunérés à ce titre par leur entité fédérée, mais il y a 10 sénateurs qui sont cooptés et qui, eux, sont rémunérés sur une dotation du Sénat belge. L'indépendance des parlementaires sera également plus grande parce qu'en leur offrant des moyens de subsistance,
elle les met à l'abri d'un certain nombre de tentations. Reconnaissons que si cet argument porte un peu, il pose tout de même la question du juste niveau de l'indemnité parlementaire, question qui est universellement discutée. Alors, trois points retiendront notre attention sur la mise en œuvre différenciée du montant de cette indemnité. Justement, la question précise du montant, mais aussi la nature du fondement textuel de l'indemnité et son caractère universel. S'agissant du montant, on peut faire quelques catégories d'États en fonction de la générosité, peut-être, ou de la prodigalité en faveur des parlementaires. Alors, les États qui rémunèrent le mieux leurs parlementaires sont l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg, indéniablement. Et puis, ceux qui les rémunèrent le moins sont la Roumanie ou la Slovaquie, où l'indemnité parlementaire est inférieure à 2000 euros mensuels. Notons tout de même les cas de la Croatie, de la Lettonie et de la Slovénie, qui ne prévoient qu'un simple défraiement des parlementaires et pas de véritable indemnité, ou en tout cas pas de rémunération de l'activité du parlementaire. Alors, on voit ici apparaître une distinction entre les États riches de l'Union européenne et les États pauvres, très clairement dans cette prodigalité en faveur des parlementaires. Notons toutefois que si on met en rapport le montant de l'indemnité avec le salaire moyen dans le pays, eh bien, la République tchèque ou la Bulgarie vont apparaître comme des États, au contraire, généreux vis-à-vis de leurs parlementaires. Le niveau de cette indemnité, il est rarement déterminé par la Constitution elle-même. Il n'y a qu'un seul cas dans l'Union européenne, c'est la Constitution belge qui fixe, en son article 66, le montant de l'indemnité à 12 000 francs, ce qui ne correspond plus à rien aujourd'hui et donc qui est actualisé, et elle est aujourd'hui à peu près de 6 800 euros net par mois. Généralement, c'est plutôt une loi qui va fixer le montant de cette indemnité, ce qui est déjà une première limite à l'autonomie financière, puisque la loi pourrait être potentiellement votée par deux assemblées dans un régime bicaméral, comme nous l'avons vu hier. Et puis, il y a une deuxième limite qui apparaît, c'est que souvent, la loi fixe le montant de l'indemnité en référence au traitement de la fonction publique ou en référence à quelque chose. Alors, il en est ainsi en France, dans l'ordonnance organique du 13 décembre 1958. On trouve le même mécanisme en Estonie, où les parlementaires perçoivent une indemnité équivalent à 65% du traitement du fonctionnaire le mieux rémunéré du pays. En République tchèque, en Bulgarie et en Slovaquie, l'indemnité parlementaire est égale à un coefficient du salaire moyen, 2,45 fois le salaire moyen en République tchèque, 3 fois le salaire moyen en Bulgarie ou en Slovaquie. Cette méthode de fixation du montant de l'indemnité, elle présente deux intérêts. Un premier intérêt, c'est qu'elle prémunit les citoyens contre des augmentations qu'ils pourraient juger indues de l'indemnité parlementaire. Et puis d'autre part, elle garantit aux parlementaires des moyens de subsistance effectifs en les soustrayant à toute diminution drastique, voire suppression de leur indemnité pour des raisons électoralistes ou, pour des raisons électoralistes ou démagogiques. Mais le montant de l'indemnité parlementaire est-il identique pour tous ? La question peut d'abord être abordée sous l'angle du bicamérisme. Dans les 13 États qui comportent un Parlement bicaméral en Europe, 5 d'entre eux ont choisi une indemnité identique pour les parlementaires des deux chambres. Espagne, France, Italie, Pologne et Roumanie. Ailleurs, le montant diffère, rarement d'ailleurs à l'avantage des sénateurs. Il y a quand même un cas en République tchèque où les sénateurs sont mieux payés que les députés. Le plus souvent, c'est à l'avantage des députés. Par exemple, aux Pays-Bas, les parlementaires du Sénat ne touchent qu'un quart du montant de l'indemnité. En Autriche, la moitié du montant de l'indemnité. Et puis, des indemnités peuvent aussi être accordées de manière supplémentaire à certains titulaires de fonctions, président de commission, président d'assemblée, vice-président, qui sont parfois très importantes. En Suède ou au Danemark, le président de la Chambre dispose d'une indemnité équivalente à celle du Premier ministre. Ce qui révèle l'importance finalement reconnue au Parlement dans ces pays. Mais qu'elle dispose de solides fondements démocratiques communs aux différents États membres,
ou qu'elle soit mise en œuvre de manière différenciée, l'indemnité parlementaire fait toujours l'objet finalement de discussions. Cette discussion porte aussi sur la nature, et c'est cette seconde question que je voudrais évoquer ici, la nature de l'indemnité. L'activité politique exige un investissement en temps, un investissement financier, en disponibilité intellectuelle, et de nombreux sacrifices, y compris affectifs et familiaux, au point qu'ils peuvent entraîner une forme de professionnalisation du mandat. Et l'existence d'une rémunération des parlementaires concourt à cette professionnalisation. Mais le droit positif relatif à la rémunération des parlementaires semble justement constamment hésiter entre profession parlementaire et mandat parlementaire. Et cette hésitation produit des conséquences sur le statut fiscal et financier des parlementaires qui sont elles-mêmes empreintes d'ambiguïté. Comment qualifier réellement la rémunération des parlementaires ? Est-ce une indemnité, c'est-à-dire la rémunération finalement d'un sacrifice, de la réparation d'un préjudice, ou est-ce un véritable salaire ? Les hésitations des constituants sont permanentes dans tous les états de notre échantillon, ou presque. En France, l'ordonnance du 1er septembre 1789, premier texte qui fonde la rémunération des parlementaires, évoquait un traitement parlementaire. Et ce n'est que dans la Constitution de l'an 3 que le terme d'indemnité apparaît. Ce changement de mot cachait en réalité une volonté de mieux faire accepter une rémunération des parlementaires aux opinions, puisque la rémunération n'était plus désignée finalement que comme des remboursements de frais, alors qu'elle était peut-être autre chose. Alors le terme d'indemnité est resté, malgré quelques hésitations, en 1958, quand on examine les travaux parlementaires. Mais aujourd'hui, en France, reconnaissons qu'elle ne correspond plus à grand-chose. Vous le savez, il y a une indemnité de base, 5 600 euros, qui est donc accompagnée d'une indemnité de résidence de 168 euros. Vous comprendrez bien avec moi qu'avec 168 euros mensuels, ça ne correspond pas réellement à une indemnité de logement à Paris. Indemnité donc de logement de 3%, et il y a une indemnité de fonction égale à peu près à 1450 euros mensuels, qui semble davantage relever d'une véritable indemnité, alors qu'il n'en est rien, dans la mesure où d'autres frais de mandat, dont Georges Bergougnou traitera, existent par ailleurs. Donc en fait, elle est simplement un complément de rémunération, pour ne pas dire d'un véritable traitement du parlementaire. Cette hésitation n'existe pas qu'en France. Je prends quelques exemples très rapidement. Aux Pays-Bas, on parle d'une compensation parlementaire de 7300 euros mensuels. Et pourtant, ils ont le droit à une prime d'été et à une prime de fin d'année. Bon. En Finlande, en Lituanie et en Bulgarie, le montant de l'indemnité augmente avec l'ancienneté du parlementaire et en Bulgarie, même avec le diplôme qu'ils détiennent. Par conséquent, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas des stratégies des électeurs pour éviter des dépenses trop importantes au moment du vote. J'avais cru voir le professeur Cabanne hier réagir quand le professeur Poirier avait mentionné l'existence d'un 13e mois au Luxembourg. Eh bien, c'est encore mieux, si j'ose dire, en Autriche et au Portugal, puisqu'en plus d'un 13e mois, il y en a un 14e pour les parlementaires. Alors, en sens inverse, la Constitution de Lettonie évoque l'existence d'un traitement pour les parlementaires, alors qu'ils n'ont droit en réalité qu'un remboursement de leurs dépenses. Alors, cette hésitation, je vous le dis, vous le voyez, elle est totale et elle a une conséquence sur le statut financier des parlementaires. S'ils ne sont que défrayés, à ce moment-là, on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu qui soit perçu sur ces indemnités. C'est ce qui existe en Croatie ou en Lettonie. S'il s'agit d'un véritable traitement, en réalité, des parlementaires, à ce moment-là, il est logique qu'ils payent un impôt sur le revenu sur le sujet. Pourtant, il y a quelques singularités, alors je n'en évoquerai qu'une, mais à travers différents États. Vous avez parfois des compléments de rémunération de base qui ne sont pas réellement des frais de mandat et qui sont pourtant distingués par le fait qu'ils ne sont pas soumis à un impôt sur le revenu.
Alors, c'était longtemps le cas de l'indemnité de fonction en France, ça n'est plus le cas désormais. Mais c'est encore le cas du complément annuel de rémunération que touchent les parlementaires danois. Et en sens inverse, des indemnités journalières, des véritables frais de mandat qui existent en Suède pour des déplacements de parlementaires font l'objet d'une fiscalisation. Il en est de même en République tchèque. Alors l'ambiguïté sur la véritable nature de l'indemnité est encore renforcée par les mécanismes de modulation de cette indemnité, soit à la baisse en raison d'une participation insuffisante aux travaux de l'Assemblée, soit à la hausse en raison des jetons de présence, comme cela existe au Parlement luxembourgeois ou au Parlement européen. Mais en fait, l'hésitation sur la nature véritable de l'indemnité parlementaire, elle cesse totalement lorsque l'on évoque l'existence d'une retraite des parlementaires, comme cela existe dans de très nombreux pays européens, retraite qui est le résultat de cotisations fondées sur le travail réalisé et non sur de simples défraiements. Alors pour conclure, Monsieur le Président, on voit qu'en réalité le choix du terme d'indemnité, c'est un peu une volonté de ne pas faire apparaître une rémunération qui pourrait être la rémunération d'une profession parlementaire. L'antiparlementarisme latent, qui semble attirer de plus en plus d'émules aujourd'hui, ne plaide pas en faveur d'un véritable outing à parler de traitement parlementaire. Mais peut-être devrions-nous méditer les mots de Bourdon de Loise, le 24 niveaux en 3, qui disait « Il n'y a que trois manières d'exister, salarié, mendiant ou voleur ». Alors pour éviter que les deux derniers qualificatifs soient accolés aux parlementaires, eh bien désignons désormais l'indemnité par le terme de traitement et réservons celui d'indemnité aux frais de mandat dont va désormais vous parler Georges Bergougnou. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, la transition est déjà faite, donc je n'ai pas l'ajouter, même si c'est vrai que l'actualité a pu donner le sentiment parfois que les frais de mandat ne se distinguaient pas toujours tout à fait d'une partie du traitement. Donc est-ce qu'il faut bien, effectivement, les distinguer? C'est ce que nous allons voir. Merci, Monsieur le Président. Donc indemnité parlementaire, salaire parlementaire, traitement parlementaire, enfin ça ne constitue en tout état de cause qu'une facette du statut matériel des parlementaires, et plusieurs strates peuvent s'y rajouter. Tout d'abord, et à ce stade, je me borne à le mentionner, puisqu'il fera dans quelques instants l'objet d'un exposé spécifique, figure le financement des collaborateurs des élus. Je soulignerai seulement que plusieurs méthodes sont envisageables, de l'octroi d'un crédit dédié permettant à chaque parlementaire de recruter des collaborateurs de son choix, c'est le cas en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, à une centralisation des collaborateurs par les groupes politiques, le parlementaire ne disposant pas au fond de collaborateurs personnels, ça semble être le cas aux Pays-Bas ou en Espagne, sauf bien sûr à le rémunérer sur ses propres deniers. Ces mécanismes peuvent évidemment se cumuler, et comme c'est le cas en France ou après tout au Parlement européen. Ensuite, tous les parlements pratiquent à un titre ou à un autre des prises en charge directes, l'octroi de quelques avantages en nature qu'on a du mal à qualifier comme tels tant ils nous paraissent évidents, c'est-à-dire mettre un bureau à disposition, des lignes téléphoniques, alors après des matériels informatiques, alors des avantages qui peuvent aller jusqu'à des facilités de transport, voire de résidence. J'ai appris ainsi que le Parlement danois offre ainsi une résidence de 90 appartements, et en France, à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a 242 députés, donc vous voyez un petit peu moins de la moitié, qui disposent d'une possibilité de couchage dans leur bureau finalement, et les autres députés, hormis ceux de Paris ou de la couronne parisienne, eh bien, qui eux peuvent accéder à l'une des chambres de la résidence parlementaire dédiée, qui est située dans un immeuble annexe du palais, et si celle-ci est complète, avoir recours à des chambres d'hôtel. Depuis le 1er février, c'est pour ça que je le dis parce que c'est très récent, eh bien, ils peuvent bénéficier à ce moment-là d'une indemnité spécifique, d'une dotation d'hébergement qui couvre à hauteur de 900 euros mensuels. Voilà pour la réponse à ce que Gilles évoquait à l'instant sur les 160 et quelques euros d'indemnité de résidence. Eh bien là, les dépenses réelles de location
location ou des dépenses connexes d'un logement à Paris ou dans les communes limitrophes de Paris. Alors pour autant, de toute façon, tous les parlements ne prennent pas en charge de la même manière les frais liés à l'existence du mandat. Il faut d'abord souligner le cas de pays où il n'existe pas ou quasiment pas de prise en charge de frais de mandat hors l'indemnité parlementaire. Alors comme nous y sommes ici, moi j'ai cru voir que c'était le cas de Luxembourg, mais on me dira si c'est exact ou si j'ai mal lu les documents qui m'ont été fort obligeamment communiqués. Et donc ça serait sous la forme d'une non-fiscalisation d'une partie de l'indemnité, je crois à hauteur de la moitié, que sont pris à ce moment-là en charge les frais de mandat. Et dans d'autres pays comme la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, eh bien, l'indemnité parlementaire est censée couvrir les frais de mandat. Alors tout de même, dans les principales démocraties, les parlementaires sont défrayés pour les dépenses liées à leur mandat, mais tous les parlements n'ont pas choisi la même voie, qu'il s'agisse alors des modalités de prise en charge, ce sera mon premier point, ou du contrôle, question étant tout à fait brûlante, ce qui sera le second point. Alors s'agissant des modalités de prise en charge, eh bien il semble qu'on puisse distinguer deux grands mécanismes qui coexistent. Le premier qui tend à privilégier le remboursement sur note de frais, et le second sous la forme du versement d'une indemnité forfaitaire. Et ces deux systèmes correspondent à peu près à deux grandes traditions juridiques, la première des parlements de tradition anglo-saxonne et l'autre des parlements qui seraient de tradition romano-germanique. Alors dans le premier, au fond le plus simple, pourrait-on dire, comme dans une entreprise privée, eh bien le mécanisme c'est celui du remboursement sur justificatif des frais qui ont été engagés pour l'exercice du mandat. Et on sait par exemple qu'au Royaume-Uni, désormais, pour des raisons dont on a dû vous parler hier, dont je redirai un mot tout à l'heure, eh bien les dépenses impliquées par l'exercice de la fonction parlementaire sont définies dans une sorte de schéma qui est établi par une autorité indépendante, qui a été créée en 2010 et qui élabore, qui révise ce schéma et qui a le contrôle du remboursement des frais des parlementaires. Et les dépenses couvertes et remboursées par cette autorité relèvent de budgets distincts qui ne sont pas fongibles. On distingue des frais de personnel, des frais d'hébergement, des frais liés au bureau et à la permanence, des frais de déplacement, des frais de fin de mandat et puis même des frais divers. Alors, de manière générale, comme il s'agit principalement de remboursement aux frais réels, eh bien, le dispositif de fixation des dépenses et de leur plafonnement est assez complexe. Il repose sur des critères dont la donnée géographique d'appartenance ou non à la zone de Londres est tout à fait déterminante, qui comporte d'ailleurs elle-même, je crois, 96 circonscriptions, et les députés de ces circonscriptions ne peuvent réclamer de remboursement d'hébergement et de transport entre leur circonscription et Westminster. Il leur est tout de même possible de percevoir une allocation qui permet de couvrir des frais additionnels liés au coût de la vie et des transports à Londres. On notera, et ça mérite tout à fait d'être souligné, que tout paiement ou tout bénéfice reçu en raison de la fonction exercée, sauf exemption spécifique, est assujetti à l'impôt sur le revenu. Et vous avez d'ailleurs un guide des parlementaires et des ministres, bon, deux finalement du même ordre que dans un vrai régime parlementaire comme le régime britannique, en matière de taxes et de contributions nationales. Et ceci indique que tout ça porte sur l'indemnité parlementaire et sur toute indemnisation de frais de séjour dans l'ère londonienne. Alors ce sont des mécanismes du même ordre, je sais qu'on va quitter un tout petit peu l'Europe, mais qui prévalent dans les grandes démocraties d'Amérique du Nord, que sont les États-Unis ou le Canada. Vous savez que les membres du Congrès américain disposent pour la prise en charge des frais liés à l'exercice de leur mandat d'un budget annuel très très important, mais sous la forme d'un plafond de remboursement, hein, d'un plafond de remboursement lié à trois types, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans ma communication écrite, mais trois types de grandes dépenses possibles, avec des sommes qui
sont pas celles dont nous avons l'habitude de parler ici, dans les enceintes européennes, puisque je crois que c'est de l'ordre, je m'exprime en euros, en dollars c'est d'ailleurs légèrement plus, 1,17 million à la Chambre des représentants et plus de 3 millions au Sénat annuel, évidemment, tout ceci, nous en sommes très éloignés ici. Et les dépenses éligibles au remboursement et les modalités de leur prise en charge sont fixées par un règlement administratif des députés qui est adopté par le bureau. Alors ce mécanisme du remboursement sur note de frais a sans doute pour lui d'être plus proche du droit commun, mais il ne va pas sans inconvénient. Dans son rapport au bureau en 2013, Madame Lenoir, alors déontologue de l'Assemblée nationale, les avait identifiés en soulignant qu'ils conduisaient, je cite, à la mise en œuvre d'un contrôle complexe et coûteux, nous y viendrons tout à l'heure, et que la précision des informations rendues publiques permet la publication dans la presse de statistiques agrégées potentiellement dommageables pour l'image des parlementaires, pouvant même entretenir la suspicion en ouvrant la voie à des commentaires aussi désobligeants qu'absurdes. Fin de citation. Et donc, considérait que ça conduisait à immobiliser un budget en définitive plus important que celui qui allait servir in fine au remboursement des parlementaires. C'est pourquoi des pays de tradition romano-germanique, donc à l'instar de l'Allemagne et de la France, privilégient un système d'indemnité ou d'avance forfaitaire. Alors, le système d'indemnité, il est toujours d'ailleurs bien résumé sur le site du Bundestag. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de permettre, de garantir l'indépendance des parlementaires en évitant de les soumettre justement à un système de notes de frais dont la vérification peut être accompagnée de procédures de sanctions. Cette solution est la plus économe si l'indemnité est fondée sur une estimation des dépenses moyennes des parlementaires, dans la mesure où le système, lui, des notes de frais induit le développement d'une administration dédiée à son contrôle, on en reparlera tout à l'heure, et puis le versement de l'indemnité forfaitaire, eh bien, il permet de prévoir, à l'inverse du système des notes de frais, le montant total des indemnités qui seront versées aux parlementaires. Alors ainsi, donc, au Bundestag, à côté de l'indemnité parlementaire proprement dite, soumise à l'impôt sur le revenu, à côté d'un crédit collaborateur, eh bien, le député allemand perçoit une indemnité forfaitaire de frais de mandat non imposable d'environ 4 300 € mensuels. Il n'existe pas de définition précise des dépenses qui peuvent être imputées sur cette indemnité. Aucun justificatif n'est exigé pour son versement. En revanche, on peut souligner que l'indemnité peut être minorée en cas d'absence du parlementaire. D'autres pays d'Europe connaissent des mécanismes comparables. En Suisse, les élus reçoivent chaque année une contribution aux dépenses de personnel et matériel d'environ 30 000 € par an. Les députés espagnols touchent une compensation, indemnité qui est chargée de couvrir les dépenses liées à l'activité parlementaire, non imposable, qui est d'environ 1 800 € mensuels. Pour les députés hors province de Madrid, nettement moins pour les députés de la province de Madrid, qui est d'environ 870 €. Et en Belgique, les membres de la Chambre des représentants perçoivent une indemnité forfaitaire qui, elle, est de l'ordre de 2 000 € par mois non imposable. Le point commun, on le voit d'ailleurs, de ces indemnités, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait un mécanisme de contrôle. On verse l'indemnité et à charge pour le parlementaire d'en faire son affaire. C'est un mécanisme semblable qui existait en France jusqu'à cette année. Si certains frais étaient directement pris en charge par les assemblées, on parlait tout à l'heure de bureaux d'informatique, il y avait aussi des moyens de se faire rembourser des frais de transport, de taxi, etc. Pour le reste, il y avait le versement d'une indemnité représentative des frais de mandat, fameuse chez nous IRFM, qui était d'un peu plus de 6 100 € au Sénat et de 5 300 à 5 400 € à l'Assemblée nationale. Elle n'était pas une composante de l'indemnité parlementaire, elle était définie dans un article du Code de la Sécurité sociale comme une allocation spéciale pour frais versés par les assemblées à tous leurs membres, et elle n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu. En effet, au terme de la loi, elle était fiscalement réputée
utiliser conformément à son objet, ce qui excluait tout contrôle de l'administration fiscale. Les députés devaient seulement attester, en signant chaque année une déclaration sur l'honneur, avoir utilisé leur indemnité représentative conformément aux règles en vigueur. Alors ce système, vous en doutez bien, a suscité des critiques. L'absence de contrôle pouvait fonder des interrogations sur son utilisation. Le risque était qu'elle ne soit au fond qu'un complément de salaire. L'absence de définition des frais de mandat pouvait engendrer la suspicion sur la justification de certaines dépenses qui seraient portées comme cela de fait à la connaissance de l'opinion. Alors, progressivement, des progrès avaient été réalisés. De leur propre mouvement, certains parlementaires avaient rendu public l'utilisation qu'ils faisaient de leur IRFM. L'organe chargé de la déontologie, le comité de déontologie au Sénat, le déontologue à l'Assemblée nationale, qui sont apparus, comme vous le savez, dans la première décennie de ce siècle, eh bien, pouvaient être consultés sur l'éligibilité des frais ou encore l'utilisation de cette indemnité pour certaines dépenses avait été interdite explicitement, soit par le juge électoral, Conseil constitutionnel en l'espèce, soit par les bureaux des assemblées. Pour autant, ces cautères ont paru insuffisants et le législateur, à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, qui en avait fait une promesse de campagne, a souhaité renforcer la transparence de la vie publique et lutter contre des tendances populistes caractérisées par un antiparlementarisme récurrent. Et donc, le législateur a décidé que le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie, eh bien, définissait le régime de prise en charge des frais de mandat et arrêtait la liste des frais éligibles. Et il a précisé que députés et sénateurs seraient défrayés sous la forme, alors, trois options, d'une prise en charge directe, d'un remboursement sur justificatif, grosso modo mécanisme anglo-saxon, ou versement d'une avance par l'Assemblée dans la limite de plafond déterminée par le bureau. Le projet de loi initial prévoyait, lui, que les assemblées mettraient en œuvre un mécanisme de remboursement des frais de mandat sur présentation de justificatifs. C'était le projet initial. C'est à l'initiative du Sénat que le projet a été modifié et que vous avez ces trois possibilités qui sont offertes par la loi. Et les assemblées parlementaires ont fait le choix de remplacer cette IRFM par une avance mensuelle de frais de mandat, une AMFM, qui est d'un montant équivalent à 5 373 euros à l'Assemblée, 5 900 euros au Sénat, pour prendre en charge une liste particulièrement exhaustive, que vous pouvez trouver sur les sites des assemblées, de dépenses qui sont définies par des arrêtés des bureaux de chacune de ces assemblées. Alors la différence majeure avec le système précédent, elle réside dans le contrôle auquel sera soumise l'utilisation de cette avance mensuelle. Alors sur le contrôle, je vais tâcher d'aller un petit peu plus vite, bien sûr. Sur le contrôle, je veux souligner que c'est à l'aune de la qualité d'un contrôle que vous pouvez en réalité mesurer la qualité, la pertinence des mécanismes de financement. Et il convient de trouver toujours un équilibre entre deux écueils, également qui sont source de suspicion à l'égard des élus, soit le risque de la bureaucratie tatillonne et coûteuse qui va épingler tel ou tel type de dépense, et puis le laxisme qui est porteur d'une sorte d'enrichissement sans cause. Alors, le risque de bureaucratie tatillonne et coûteuse, il faut bien comprendre que le système des notes de frais n'est pas en lui-même un gage d'un procédé vertueux, comme l'illustre l'exemple britannique que vous connaissez bien. Le remboursement y était assuré sur présentation d'un justificatif par l'administration de la Chambre des communes. Ce mécanisme opaque avait donné lieu à des abus massifs, tels que Gilles vous les a rappelés tout à l'heure, la nourriture pour chiens ou l'abri pour canards. Et de ce fait, une décision de justice a autorisé en 2008 la publication des dépenses parlementaires sur le fondement d'un acte législatif qui est entré en vigueur
en 2005 et qui consacrait un droit du public à l'information et dont s'est saisie la presse, en espèce le Daily Telegraph. Devant l'ampleur du scandale, plusieurs ministres, le speaker, vous savez, ont été amenés à démissionner. Et donc nous avons maintenant un mécanisme assez complexe, assez précis de contrôle sur lequel je vous renverrai donc à ma communication écrite. Tout ceci pour pouvoir en arriver au mécanisme de contrôle qui a été établi dans nos régions, j'allais dire, et tout particulièrement en France, puisque le mécanisme qui vient d'être créé est essentiellement assorti d'un nouveau mécanisme de contrôle qui est confié aux organes chargés de la déontologie. Nous avions eu déjà une première étape avec une énumération de dépenses qui avait été interdite. En France, donc, les bureaux des assemblées, avant même la législation de 2017, avaient interdit certaines dépenses, par exemple l'acquisition d'un bien immobilier pour une permanence électorale. Mais on est allé plus loin au début de la présente législature. Les bureaux ont donc désormais un mécanisme de contrôle dont les organes de déontologie sont chargés. À cette fin, par exemple, le bureau de l'Assemblée a précisé que le contrôle des frais de mandat est assuré, certes, par les services de l'Assemblée sous l'autorité des questeurs, dès lors qu'il s'agit de dépenses directement prises en charge par l'Assemblée, mais que, s'agissant de la fameuse avance mensuelle pour les frais de mandat, eh bien, il est exercé par le déontologue de l'Assemblée nationale, effectué selon deux modalités, en fin d'exercice annuel, sur l'ensemble des comptes du député, en cours d'exercice, à tout moment, sur les dépenses imputées par le député sur son avance de frais. Le mécanisme est ainsi prévu que tout député doit pouvoir être examiné au moins une fois au cours d'une même législature, de manière aléatoire, par sondage, par échantillon, d'une ampleur suffisante pour être considéré comme significatif. Et donc, il est demandé à tous les parlementaires de tenir un compte très exact. On leur a fourni une sorte de tableau Excel sur lequel il faut noter toutes ces sortes de dépenses et puis, bien entendu, tenir les justificatifs de côté. Alors, la presse s'est fait l'écho des réserves que, dans un avis consultatif et confidentiel, la déontologue a émis à l'égard de celui qui est mis en œuvre à l'Assemblée. Pour quelle raison ? Parce qu'il serait partiel et incomplet. Il serait en réalité en deçà des objectifs définis par le législateur. L'expérience nous dira, il est trop tôt, hein, aujourd'hui ces mécanismes sont rentrés en application au 1er janvier 2018, l'expérience nous dira si ces mécanismes garantissent, sans verser dans l'inquisition, un contrôle efficace de nature à restaurer la confiance des citoyens dans la classe politique. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir abusé de votre temps. Merci, non, c'était passionnant. C'est extrêmement intéressant, évidemment, de voir un mouvement d'homogénéisation, vraisemblablement par-delà les frontières, et néanmoins la survivance de spécificités en lien avec des cultures, des histoires profondément différentes. Et c'est ce qui rendra aussi sans doute encore plus intéressant le fait de se projeter justement dans un Parlement sans histoire, ou en tout cas reposant sur une histoire évidemment beaucoup moins millénaire que celle des États qu'on a évoqués, c'est-à-dire le Parlement européen. Alors, si j'ai bien compris, nous allons d'abord entendre, alors je ne sais pas très bien comment techniquement d'ailleurs, l'intervention de Madame Dely, à la suite de quoi vous vous exprimerez. Messieurs, malheureusement, je ne peux pas être à vos côtés aujourd'hui pour votre journée sur le thème du statut matériel des parlementaires européens et des anciens députés européens, mais je voulais vous faire part de ce message. Le Parlement européen est composé de 751 députés élus dans 28 pays membres de l'Union européenne élargie. Les députés au Parlement européen partagent leur temps entre leur circonscription, Strasbourg, où se tiennent 12 périodes de session par an, et à Bruxelles, où ils assistent aux périodes de session supplémentaires,
ainsi qu'aux réunions des commissions et des groupes politiques. Les modalités de l'exercice du mandat de député sont énoncées dans le statut de 2009. Alors, comment le régime du statut des députés a évolué ? Tout d'abord, prenons le cas de la rémunération des députés au Parlement européen. En général, les députés au Parlement européen reçoivent tous une indemnité identique en vertu du statut unique entré en vigueur en juillet 2009. Cette rémunération, depuis le 1er juillet 2016, elle s'élève chaque mois à 8484,05 euros avant impôt. Elle est imputée sur le budget du Parlement et s'établit après déduction de l'impôt européen et des cotisations sociales à 6611,42 euros. Elle peut également être imposée dans les États membres. À noter, la rémunération de base est fixée à 38,5% de la rémunération de base d'un juge de la Cour de justice de l'Union européenne. À titre exceptionnel, les députés qui exerçaient un mandat au Parlement avant les élections 2009 ont pu choisir de conserver la rémunération, l'indemnité transitoire et la pension que leur conférait l'ancien régime national. Concernant désormais les pensions, le statut prévoit qu'à l'âge de 63 ans révolu, les anciens députés ont droit à une pension d'ancienneté. Celle-ci s'élève pour chaque année, ça complète l'exercice d'un mandat à 3,5% de la rémunération. Le coût des pensions est imputé sur le budget de l'Union européenne. Le régime de pension complémentaire mis en place pour les députés en 1989 n'a plus été proposé aux nouveaux députés à partir de juillet 2009 et en voie de suppression. À l'instar des députés nationaux, les députés au Parlement européen perçoivent différentes indemnités visant à couvrir les frais qu'ils encourent dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires. Tout d'abord, quelles sont ces indemnités ? Tout d'abord, on parle des indemnités de frais généraux. De quoi parle-t-on ? Cette indemnité vise à couvrir les frais encourus dans l'État membre électeur, comme les frais de gestion du bureau du député, les frais de téléphone, les frais postaux et l'achat et l'utilisation et la maintenance, d'équipements informatiques et télématiques. Est-ce que les députés touchent cette indemnité de manière automatique ? Non, heureusement. L'indemnité est réduite de moitié pour les députés qui, sans justification valable, n'assistent pas à la moitié des séances plénières d'une année parlementaire. Enfin, le montant de cette indemnité en 2018 est de 4416 euros par mois. Nous avons également d'autres indemnités. Les frais de voyage. La plupart des réunions du Parlement européen, comme les séances plénières, les réunions de commission ou les réunions de groupes politiques ont lieu à Bruxelles et toutes les 5 semaines à Strasbourg pour les sessions plénières. Ces déplacements ont un coût évident. Qu'en est-il ? Le coût réel des titres de transport achetés par les députés pour assister à ces réunions leur est remboursé sur présentation de pièces justificatives. N'importe quel moyen de transport. Non, bien sûr, le forfait de remboursement ne peut dépasser le prix du billet d'avion en classe affaires D ou similaire, du billet de chemin de fer en première classe ou 0,50 euros au kilomètre. Bien sûr, la limitation étant à 1000 km pour les trajets en voiture. Ces remboursements viennent s'ajouter à des frais d'indemnité forfaitaires calculés en fonction de la distance et de la durée de la mission et destinés à couvrir les autres frais liés au voyage, comme les péages autoroutiers, les excédents de bagages ou encore les frais de réservation. Il existe aussi d'autres frais de voyage. Les députés doivent souvent voyager à l'extérieur ou à l'intérieur de leur État membre d'élection dans l'exercice de leurs fonctions, mais à d'autres fins que des réunions officielles, par exemple pour assister à une conférence ou pour effectuer une visite de travail. À cet effet, pour les activités en dehors de leur État membre, prenons l'exemple d'un député
allemand qui devrait se rendre en France, eh ben les députés bénéficient du remboursement des frais de voyage et de leur hébergement et des dépenses connexes jusqu'à un maximum de 4 264 euros par an. Pour les activités dans leur État membre, seuls les frais de transport sont remboursés avec un maximum annuel établi par chaque pays. Aussi, chaque député va recevoir ce qu'on appelle des indemnités journalières. Le Parlement verse une indemnité forfaitaire de 306 euros par jour pour couvrir l'ensemble des autres frais auxquels font face les députés lors de leur période d'activité parlementaire. À n'importe quelle condition, non, car il faut qu'ils attestent de leur présence en signant un des registres officiels ouverts à cet effet. De même, l'indemnité est réduite de moitié si les députés ne prennent pas part à plus de la moitié des votes les jours des votes de plénière, même s'ils sont présents. Pour les réunions organisées en dehors de l'Union européenne, l'indemnité est de 153 euros, toujours sous réserve de la signature d'un registre. Ainsi, les frais d'hébergement étant remboursés séparément. La question du Brexit est une question importante. Comment vont être gérés le statut et le reversement pour les députés britanniques? Pour l'instant, nous n'en savons rien pour le moment. C'est une question importante qu'il faudra aborder dans les négociations. Bien sûr, le statut matériel des députés européens est cadré par un code de conduite des députés au Parlement européen. En effet, le député européen doit respecter le code de conduite du Parlement européen. Le code de conduite est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il a pour principe fondateur que les députés agissent uniquement dans l'intérêt général et conduisent leurs travaux avec désintéressement, intégrité, transparence, vigilance, honnêteté, responsabilité, tout en veillant à préserver la réputation du Parlement européen. Le code de conduite définit les conflits d'intérêts ainsi que la manière dont les députés doivent les résoudre, en incluant par exemple des questions relatives aux cadeaux officiels reçus par les députés et aux activités professionnelles des anciens députés. Le code de conduite impose également aux députés de remplir une déclaration détaillée d'intérêts financiers. Les députés sont également tenus de déclarer leur participation à des manifestations organisées par des tiers lorsque leurs frais de voyage, d'hébergement ou des séjours sont remboursés par un tiers ou directement payés par celui-ci. Ces déclarations reflètent les exigences du code de conduite visant à renforcer les règles et les normes de transparence. Les informations fournies par les députés dans leurs déclarations se trouvent sur la page de présentation de chaque député. Les députés doivent également déclarer les cadeaux qu'ils reçoivent lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel, selon les conditions définies dans les mesures d'application du code de conduite. Ces cadeaux font l'objet d'une inscription dans le registre des cadeaux. Tout député contrevenant au code de conduite s'expose à être sanctionné par le président du Parlement. La sanction est annoncée par le président en séance plénière et publiée de manière visible sur le site internet du Parlement où elle demeure affichée jusqu'à la fin de la législature. Les députés européens bénéficient aussi de dispositifs relatifs au personnel. Les députés européens au Parlement peuvent choisir eux-mêmes leurs assistants dans les limites d'une enveloppe budgétaire définie par le Parlement et dans les conditions définies par le chapitre 5 des mesures d'application du statut des députés. En 2018, le montant mensuel maximum disponible est de 24 526 euros par député. Ce montant n'est pas versé aux députés, mais payé comme salaire aux assistants qui remplissent les conditions et disposent d'un contrat valide, ainsi qu'aux organismes chargés de collecter les taxes sur leur salaire. Les députés peuvent recourir à plusieurs types d'assistants. Il y a des assistants dits accrédités qui sont engagés à Bruxelles, ou à Luxembourg ou à Strasbourg, qui dépendent directement de l'administration du Parlement. Les députés peuvent également recruter 3 assistants accrédités, voire 4, sous certaines conditions. Au moins 25% de l'enveloppe pour l'assistance parlementaire est réservée pour les assistants accrédités.
Les assistants locaux, ce sont des assistants qui assistent les députés dans leur état membre d'élection. Ces contrats sont administrés par un tiers payant agréé qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité sociale et au régime fiscal. Les contrats des assistants locaux sont soit des contrats de travail, soit des contrats de prestation de services. Les stagiaires peuvent également effectuer un stage soit dans les locaux du Parlement, soit dans l'État membre d'élection. Le coût total pour les assistants locaux et les stagiaires ne peut dépasser 75% de l'enveloppe pour l'assistance parlementaire. Le coût des seuls prestataires de services ne peut cependant pas dépasser 25% de cette enveloppe. Des plafonds comparables ont été définis pour les prestataires, personnes morales ou les tiers payants. Plusieurs députés, peuvent former entre eux un groupement pour recruter un ou plusieurs assistants accrédités ou engagés dans leurs États membres. Ils définissent entre eux les clés de répartition des coûts. Les députés ne peuvent pas engager de parents proches comme assistants. Leurs assistants doivent éviter les activités externes susceptibles de créer un conflit d'intérêts. Les noms ou raisons sociales de tous les assistants sont publiés sur le site internet du Parlement pendant la durée de leur contrat, sauf s'ils obtiennent une dérogation accordée uniquement pour des raisons de sécurité dûment justifiées. Voilà quelques éléments qui m'ont permis de contribuer à votre conférence. Je vous souhaite de bons travaux et à très prochainement. À bientôt. Bien, alors, c'est bientôt la fête des maires. Nous saurons tous maintenant, si nous manquons d'idées, nous pourrons consulter la liste des cadeaux, le registre des cadeaux, donc qui, je suis sûr, regorge de choses étonnantes. Alors, après les faits, nous savons tout maintenant sur le Parlement européen. Pouvoir creuser avec Audrey Rosa, peut-être, ce soulagement. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en profite rapidement pour exprimer mes remerciements aux organisateurs, Madame Lamarck, le professeur Lascombe et Aurélien Baudu. Alors, vu les éléments évoqués par Madame la députée Karima Deli, je vais insister sur trois points. Le premier, je vais revenir un peu sur la longue conquête du Parlement pour son statut unique, qui n'a pas été abordée, parce que ça me paraît être riche d'enseignements sur les enjeux que représente ce statut. Je vais aussi insister, ce sera mon deuxième point, sur la singularité du cadre normatif du statut des députés européens. Et enfin, je développerai certains points qui n'ont pas été développés par Madame la députée. Alors, selon un ancien eurodéputé allemand, je cite, « La question du statut est une affaire de symbole, une question éminemment politique. L'enjeu est que le Parlement européen devienne un vrai Parlement. » Ça revient à la réflexion que vous avez fait sur l'absence d'histoire du Parlement européen. Alors, un statut uniformisé garantit effectivement l'indépendance et l'égalité des membres de cette seule organisation supranationale élue au suffrage universel direct, qui est désormais composée de représentants des citoyens de l'Union, comme le prévoit l'article 14 du traité sur l'Union européenne. Alors, cette difficile conquête du statut des eurodéputés se comprend au regard des éléments qu'il commande. Il désigne en effet l'ensemble des règles relatives à l'exécution du mandat, des incompatibilités, des privilèges, des immunités pour le volet institutionnel et des questions financières sur les indemnités, les remboursements de frais pour le volet financier. Alors, naturellement, vu les questions qui nous intéressent, j'aborderai principalement le volet financier. Mais je ne vais pas complètement éluder le volet institutionnel, car il me permet de démontrer la forte singularité du cadre normatif des eurodéputés. Alors, la problématique de la transparence qui a été souvent abordée par les intervenants, pour l'Union européenne, elle représente un enjeu assez important. Et cette problématique s'est progressivement mêlée à la question du statut des parlementaires européens. L'émancipation des eurodéputés est en effet souvent présentée comme une longue marche qui a duré près de 30 ans, mais à mon sens, cette longue marche n'est pas encore terminée puisque désormais, elle est conjuguée à l'impératif de transparence et elle permet encore aux eurodéputés de s'émanciper. Alors, au début de la construction communautaire, avant les premières élections au suffrage universel,
L'Assemblée était formée de délégués que les parlements nationaux désignaient, et donc le statut était principalement fixé au niveau national. Au début des années 80, plusieurs étapes se sont succédées pour communautariser ce statut grâce à l'autonomie réglementaire dont jouit le Parlement européen et qui a été reconnue par la Cour. Par exemple, certaines indemnités fonctionnelles ont pu être arrêtées par le bureau du Parlement, comme des prestations sociales à caractère complémentaire, des indemnités de fin de mandat ou une pension de retraite provisoire. Par ailleurs, le règlement intérieur définissait certains droits et obligations, tandis que les privilèges et immunités relevaient du droit primaire, puisque c'est un protocole annexé à un traité de 65 qui est désormais annexé au traité de Lisbonne. Et ce protocole prévoyait un régime mixte entre sources européennes et sources nationales. Alors, en dépit de ces éléments de communautarisation, le statut des eurodéputés était complexe, hétérogène, et de grandes disparités s'observaient s'agissant des indemnités des députés, dans la mesure où celles-ci étaient arrêtées au niveau national. Alors, comme l'a rappelé hier le président de la Cour des comptes européenne, c'est cette question de l'indemnité qui a cristallisé les tensions entre les institutions européennes, et elle fut l'un des symboles du bras de fer engagé par les députés européens contre le Conseil pour l'adoption de leur statut. Alors, je passe un petit peu sur au début des années 80, où les négociations étaient importantes entre le Parlement et le Conseil. Il y a eu un tournant, comme l'a rappelé Émeric Poteau, avec l'adoption du traité d'Amsterdam, qui prévoit enfin un article pour que le Parlement européen fixe son propre statut. Mais les négociations ont duré encore longtemps, puisqu'en 98-99, le Parlement européen a rappelé au Conseil son devoir de coopération loyale qui ne cessait de bloquer les négociations. Alors pourquoi les négociations étaient difficiles ? Les points de désaccord portaient sur le montant de l'indemnité parlementaire, sur l'inclusion dans le statut des éléments du droit primaire, sur l'imposition nationale qui pouvait compléter la taxation communautaire de l'indemnité, et enfin sur le régime de remboursement des frais professionnels. Alors après ces années, ces dizaines d'années de négociations, un compromis a pu aboutir en 2005, donc par la décision qui adopte le statut des députés et dont l'entrée en vigueur a été repoussée en 2009. Mais après ces années de conquête, ce compromis à minima est de nature à satisfaire ni les eurodéputés, ni les institutions européennes, et encore moins le juriste, puisque ces deux volets sont éclatés dans des éléments de droit primaire, de droit dérivé, de droits nationaux. Donc ce qui montre une architecture assez complexe et qui est désormais complétée par un cadre normatif dont seul le Parlement a la maîtrise. Donc ce sera mes deux parties, d'abord un cadre normatif singulier et puis le cadre complété par les normes adoptées uniquement par le Parlement. Alors sur la singularité du statut financier, je vais d'abord insister sur l'indemnité, puisque c'était l'enjeu qui était le plus important, puisque c'était celui de la reconnaissance et de l'égalité entre les membres de l'institution démocratique. Donc jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de 2005, qui a donc été en 2009, le système des indemnités des eurodéputés conduisait à de très fortes inégalités. Par exemple, en 2004, un député européen de nationalité allemande percevait 6 878 euros. Un député européen de nationalité espagnole touchait à peine 2 500 euros, tandis qu'un député européen de nationalité hongroise touchait à peine 760 euros. La France se situait en haut de l'échelle, proche de la rémunération allemande. Alors, ce nouveau statut a mis fin à ces inégalités et prévoit une indemnité appropriée qui assure l'indépendance des eurodéputés. Alors, comme l'a dit la députée Karima Deli, c'est désormais une indemnité qui s'élève à un peu plus de 8 000 euros et qui est frappée par des prélèvements, et donc à peu près 6 600 euros. Cette indemnité, elle est frappée par l'impôt communautaire comme les fonctionnaires européens, à quelques différences près, mais je ne vais pas développer ce point. La différence majeure, c'est que l'indemnité des eurodéputés peut aussi être frappée par leur état d'appartenance. Alors, lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, de nombreux États ont déclaré vouloir user de cette faculté, à l'instar de la France, des Pays-Bas, de la Suède ou de l'Espagne,
tandis que d'autres États ont renoncé à la faculté de frapper cette indemnité, comme la Bulgarie, la Hongrie, le Luxembourg ou la Pologne. Alors, pour être complet sur ces questions financières, il me semble qu'il faut aussi aborder la question des incompatibilités, mais je vais être assez rapide là-dessus. Pourquoi ? C'est une question qui est réglée à la fois par des sources européennes pour ce qui relève des incompatibilités européennes, et c'est une question qui relève des droits nationaux pour ce qui relève donc du régime national. Donc, par exemple, pour les sources européennes, être député européen est incompatible avec le fait d'être un juge, un avocat général ou un médiateur. Et depuis la législature, assez tardivement, 2004-2009, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de Parlement national. Sur les droits nationaux, c'est un système très hétérogène, assez inégalitaire. Il y a des États comme l'Espagne et la Belgique qui interdisent le cumul de mandats avec des fonctions locales. L'Allemagne ne prévoit pas d'interdiction à ma connaissance. Et par exemple, en 2013, les eurodéputés français étaient 40% à détenir un mandat local, contre seulement 22% des Allemands ou 4% des Britanniques. La loi de 2014 interdit aux députés européens français, à partir de 2019, de cumuler désormais avec un mandat, une fonction exécutive locale. Et alors, cette singularité, c'est aussi mêlé avec une complexité, puisque les sources européennes ne prévoyaient aucune incompatibilité avec les activités privées. Ce sera l'objet du code de conduite que je développerai après. Alors, sur les autres avancées du statut qui a permis cette uniformisation, on a évidemment la couverture sociale des eurodéputés, la couverture maladie, qui a été aussi uniformisée, et une des grandes avancées a été le remboursement des frais. Donc, je ne vais pas non plus détailler, puisque Madame la députée l'a fait, notamment sur la question des frais de voyage. Je me contenterai seulement de dire que, avant, dans le régime antérieur, le principe qui dominait, c'était le remboursement par forfait. Et ce système était assez compliqué, assez critiqué aussi, pour son caractère un peu opaque et peu conforme à la réalité. Et donc, désormais, c'est un régime qui se caractérise par une prise en charge aux frais réels. Et c'est un régime qui se caractérise par un régime relativement généreux, mais qui est contrebalancé par la sévérité des condamnations qui sanctionnent les manquements des eurodéputés à leurs devoirs et leurs missions. Et le directeur général des finances du Parlement européen m'a confirmé ce matin que les sanctions étaient effectivement appliquées en cas de manquement. Donc je passe sur les frais de voyage et sur les frais d'indemnité. J'ai cherché une des études qui essayait de montrer si ce régime de sanctions était dissuasif, incitatif, et si les eurodéputés étaient par exemple plus assidus que les autres parlementaires nationaux. Je n'ai pas trouvé d'études sérieuses, donc je tairai ce que j'ai pu trouver. Sur la question des collaborateurs, je n'en parle pas puisque ça fera l'objet d'une intervention cet après-midi. Je vais désormais insister sur ce deuxième point, ce deuxième axe, qui consiste à montrer que si le Parlement européen a perdu en autonomie, comme l'a montré Aymeric Poteau avec l'adoption du statut, puisque le statut était approuvé par le Conseil, à mon sens, il a regagné en autonomie, puisqu'il a multiplié les mesures d'exécution dont il a la maîtrise, et par notamment l'élaboration du code de conduite qu'il a également la maîtrise totale. Donc ces évolutions montrent à mon sens, d'une part, que le Parlement européen s'autodiscipline, en particulier sur la question des déclarations financières et des conflits d'intérêts, et d'autre part, que les exigences de transparence et de probité viennent de compléter ce statut si singulier. Donc ce sera mes deux points, une conduite encadrée et puis une conduite surveillée par un comité. Je vais aller rapidement sur ces deux points. Puisque ça a été aussi en partie abordé par Madame la députée. Donc le seul intérêt du code, enfin un des principaux intérêts du code, c'est de soumettre les eurodéputés à une obligation de déclaration des intérêts financiers et des cas de conflit d'intérêts, notamment aussi pour les anciens députés qui s'engagent dans des activités de lobbying. Il s'agit pour eux de se déclarer. Et la déclaration des intérêts financiers doit notamment
prévoir les activités professionnelles avant l'exercice du mandat, toute activité occasionnelle rémunérée et des exercices et des activités rémunérées. Alors, selon les informations que j'ai trouvées publiées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en 2014, sur 74 eurodéputés français, 30 exerçaient une activité professionnelle, notamment des professions libérales ou des activités de consulting. Et juste sur ce code, et je vais accélérer, les eurodéputés français sont soumis à un régime beaucoup plus sévère depuis la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui vient durcir les déclarations d'intérêt et la situation du patrimoine pour les eurodéputés français avec un régime de sanctions un peu plus sévère. Sur les cadeaux, j'y reviendrai pas. Sachez que vous pouvez offrir à vos eurodéputés des cadeaux, mais à une valeur inférieure à 150 euros, sinon ça peut leur poser des problèmes. Et pour dire ensuite que ce code a été modifié en 2013 et 2017, mais toujours dans une démarche un peu plus sévère. Et enfin, ce sera vraiment mon dernier point, je vais aller rapidement sur ce point-là. La conduite des eurodéputés est surveillée par un comité consultatif qui a été saisi en 2016 de 11 affaires, notamment sur les eurodéputés en déplacement à l'étranger. Ce code prévoit également l'adoption de sanctions en cas de violation. Ça peut aller d'un blâme jusqu'à la perte d'une indemnité de droit de séjour. La commission trouve ces sanctions un peu frileuses et essaie de les alourdir. Et enfin, le dernier point d'attention, et c'est ma conclusion, c'est que désormais, la problématique se déplace sur la question du lobbying et sur la question des représentants d'intérêts et de leur rapport avec les eurodéputés. Et en ce sens, le groupe d'État contre la corruption, dans le cadre du Conseil de l'Europe en 2016, a publié un rapport qui exprime l'idée que les États ont fait un certain nombre de progrès, mais il y a toujours une urgence à réglementer les conflits d'intérêts et à assurer la stabilité et la clarté de la législation anticorruption, et notamment sur la question des rapports entre les parlementaires et les tiers, et sur les représentants des lobbies. Donc le président du GRECO propose une conclusion à laquelle il est difficile de ne pas souscrire et que je ferai mienne. Il ne suffit pas d'élaborer des règlements, ceux-ci sont de peu d'intérêt s'ils ne sont pas mis résolument en pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pardon d'avoir été un peu brusque, mais vous avez parfaitement respecté le temps. Alors j'espère qu'on aura un tout petit peu de temps pour revenir peut-être sur ces questions liées aux activités extérieures, parce que ça peut devenir une partie de la rémunération au bout du compte. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ça pour l'aspect plus de droit comparé. On avait été, je crois, certainement très surpris il y a quelques années d'un Jean-François Copé, alors je crois chef du groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée, qui exerçait ses activités d'avocat parallèlement, tranquillement, avec évidemment une rémunération à la clé importante et potentiellement des conflits d'intérêts, bien entendu, qui méritent peut-être d'être creusés. Bon, peut-être qu'on aura le temps, je l'espère. La question maintenant des groupes parlementaires, alors le regard croisé sera univoque. Attention de ne pas trop loucher. Damien Conil, donc qui est au CNRS. Il y a peu de juristes au CNRS, mais ils sont tous très très bons, et vous allez le vérifier tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Même si j'ai un temps extrêmement limité, d'après ce que j'ai cru comprendre, je vais quand même prendre une minute pour remercier les organisateurs de ce colloque, qui m'ont même permis, aidés par les aiguilleurs du ciel, de visiter l'aéroport de Munich, ce que je ne m'attendais pas à voir. J'en profite aussi pour remercier et excuser Éric Thiers, qui, effectivement, au cabinet de la ministre de la Justice, est un petit peu occupé en ce moment sur les questions constitutionnelles. Mais il m'a promis, je vous l'assure, une contribution écrite commune. qu'il co-signera, dixit le président de séance. J'évoque simplement quelques points et je vais très rapidement. Simplement en guise d'introduction, juste une précaution pour dire que je n'étudie pas le financement des groupes parlementaires en lui-même ou pour lui-même, mais simplement pour ce qu'il révèle, presque au sens photographique du terme. Et ce qu'il permet de montrer, c'est que les groupes parlementaires sont des entités incontournables
des assemblées parlementaires, pourtant extrêmement méconnues et dont la place est parfois difficile à trouver entre l'Assemblée elle-même, le parti politique, les membres qui la composent. Et tout cela forme une sorte d'incertitude ou en tout cas d'ambiguïté autour de la question des groupes. Dans cette perspective, le financement des groupes me paraît triplement révélateur. Révélateur d'abord de l'importante présence des groupes parlementaires au sein des assemblées, révélateur aussi du rôle attribué au Parlement dans le système politique et révélateur enfin d'une certaine conception de la démocratie représentative. Ce sont ces trois aspects que je voudrais évoquer. La question du financement des groupes parlementaires est donc en tout premier lieu révélatrice de la présence dans tous les systèmes examinés de groupes parlementaires, ou au moins, si on pense en particulier au cas britannique, d'un équivalent jouant une fonction de regroupement de parlementaires par affinité politique en vue d'agir ou de peser collectivement sur le fonctionnement de l'Assemblée considérée. La question du financement est aussi révélatrice d'un autre élément largement partagé, qui est la nécessité pour les assemblées de donner aux formations parlementaires les moyens matériels et financiers d'être à même de remplir leurs fonctions. Autrement dit, par le financement des groupes qu'elles prennent à leur charge, les chambres reconnaissent l'importance de ces entités dans la vie des assemblées. De ce point de vue, on remarque une certaine homogénéité du mode de calcul des sommes allouées aux chambres. À peu près dans toutes les chambres, on a un budget qui est attribué aux groupes parlementaires avec une partie fixe allouée de manière identique à l'ensemble des groupes et puis une partie variable en fonction du nombre de membres de chacun des groupes, avec évidemment quelques différences. Par exemple, au Danemark, on a une différence selon que le groupe est composé de plus ou de moins de 4 représentants. Et en Belgique, on a une différenciation qui ne se fait pas en fonction du nombre de députés, mais en fonction du nombre de collaborateurs attribués au groupe, en fonction du nombre de membres du groupe. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça sera plus clair dans la communication écrite, évidemment. L'homogénéité, on la retrouve également concernant ce pourquoi le budget des groupes est destiné. Là aussi, à peu près partout, on a des frais de fonctionnement, des frais de secrétariat, des frais de personnel, des frais de rémunération de certaines fonctions, président, vice-président, etc., des frais de communication et les assemblées organisant par ailleurs, et ça a été évoqué tout à l'heure, la mise à disposition de locaux ou de bureaux en particulier. Dans l'ensemble, donc, on a une conception très largement partagée des groupes et tout au plus, remarque-t-on, des nuances dans l'instrument qui consacre ces principes. C'est la Constitution au Portugal, c'est la loi en Allemagne, c'est quand même le plus souvent le règlement des différentes assemblées. En revanche, la question du statut juridique du groupe apparaît plus incertaine. Personne privée à part entière, organe de l'Assemblée, démembrement du parti politique, cet aspect-là ne semble pas tout à fait tranché, ou du moins pas tranché tout à fait de la même façon partout. Il n'en demeure pas moins que le financement du statut matériel apparaît comme un révélateur de cette omniprésence des groupes parlementaires dans la vie des assemblées. Encore une fois, si toutes les chambres s'astreignent à financer les formations parlementaires, c'est bien quand même que ces dernières doivent servir à quelque chose. Reste en revanche à déterminer quel est le rôle que les groupes parlementaires peuvent effectivement jouer au regard des moyens qui leur sont alloués. Si la nature des frais possiblement couverts est assez comparable, les moyens budgétaires mis à la disposition des groupes diffèrent sensiblement d'une chambre à l'autre, révélant alors des divergences qui semblent se répercuter sur la conception même que l'on se fait du rôle du Parlement lui-même. En deuxième lieu, donc, la question du financement est également révélatrice du rôle attribué au Parlement. Plus exactement, le financement des groupes parlementaires permet de mieux saisir non seulement la place qu'une assemblée accorde aux groupes parlementaires, mais aussi le rôle qu'elle leur permet de jouer. Quelques chiffres pour avoir une idée des volumes financiers. Ces chiffres sont ramenés dans chaque assemblée à une somme par représentant, avec l'ensemble du budget alloué au groupe divisé par le nombre de représentants dans chacune des assemblées, simplement pour permettre la comparaison. En France, c'est de l'ordre de 17 000 euros par représentant. En Espagne, 25 000 euros. Portugal, 39 000 euros. Italie, 47 000 euros. Union européenne, 83 000 euros. Danemark, 100 000 euros. Allemagne, 124 000 euros. Et donc, on voit bien assez nettement trois groupes, les assemblées qui accordent des budgets plutôt limités
aux groupes parlementaires, c'est la France et l'Espagne, des budgets moyens, dans une certaine mesure le Portugal, l'Italie, et puis celles qui accordent les moyens les plus importants, l'Allemagne surtout, Danemark, Parlement européen également. Certains résultats ne surprennent pas, d'autres sont plus étonnants. Parmi les résultats qui ne surprennent pas, c'est aux deux extrémités de l'échelle, la France et l'Allemagne. La France parce qu'il y a une réticence historique à l'égard des groupes parlementaires, une certaine méfiance, une conception individuelle du parlementarisme et non pas collectif, et à l'inverse, en Allemagne, au contraire, un état de groupe parlementaire, un parlement de groupe, selon les expressions que l'on trouve dans la doctrine allemande, avec donc vraiment des groupes parlementaires qui structurent le parlementarisme allemand, qui sont extrêmement organisés, y compris en interne, et tout l'intérêt pour les parlementaires eux-mêmes, afin de peser sur le jeu politique et institutionnel, c'est d'être eux-mêmes extrêmement implantés dans leur propre groupe, au sein de groupes thématiques, groupes internes, etc. Les cas les plus surprenants, je passe très vite, c'est le Portugal, parce qu'on a le sentiment que le parlementarisme portugais est plutôt un parlementarisme collectif, et donc on peut s'étonner d'un budget relativement modeste au regard de l'impression que ça peut donner. L'explication, mais c'est une simple hypothèse, tient peut-être au fait que les prérogatives importantes qui sont accordées au groupe ne pèsent pas budgétairement, c'est-à-dire elles leur permettent d'intervenir beaucoup dans le fonctionnement du Parlement, mais sans que cela coûte beaucoup d'argent. À l'inverse, l'Italie, là, c'est plutôt dans l'autre sens, on peut s'interroger sur le budget relativement conséquent qui est accordé aux groupes parlementaires, alors qu'on pouvait penser à première vue que les groupes ne pèsent pas tant que cela dans le Parlement, mais peut-être est-ce là plus largement une manifestation de l'importance des formations politiques dans le système italien. Reste donc que si les moyens attribués aux groupes servent toujours à peu près aux mêmes choses, comment expliquer ces disparités entre les chambres? Comment expliquer entre la France et l'Allemagne un rapport de 1 à 8? Et surtout, que font de plus les groupes à qui des budgets importants sont attribués? Bien, à vrai dire, à peu près tout et donc beaucoup de choses. Les budgets conséquents alloués aux groupes parlementaires les dotent surtout d'une puissance de travail sans commune mesure. Le niveau de financement des groupes parlementaires est alors un bon indicateur du degré de structuration et d'organisation des formations parlementaires et du rôle qu'elles peuvent jouer au sein du Parlement. Je me répète, mais l'exemple allemand est sans doute le plus significatif, puisque ce sont là que les groupes sont les plus et les mieux structurés. Tout cela dépend quand même des ressources mises à la disposition des groupes parlementaires pour le faire, et en particulier du potentiel de collaborateurs. La question du personnel est essentielle. Dans toutes les assemblées, c'est l'élément le plus important, et c'est ce qui pèse le plus sur le budget, notamment pour un travail de fond, d'expertise, de proposition, de critique. Là encore, quelques exemples pour illustrer les différences. En France, le personnel des groupes, l'ensemble des groupes, c'est grosso modo une centaine de personnes. Au Danemark, pour une assemblée de 180 représentants, les groupes parlementaires en 2016 employaient 232 équivalents temps plein. Au Parlement européen, le groupe socialiste emploie à lui seul 250 collaborateurs, et une centaine de collaborateurs, un peu moins d'une centaine, c'est l'effectif du secrétariat du groupe écologiste de l'Assemblée, autrement dit le sixième groupe de l'Assemblée parlementaire. En Belgique, on est aussi autour de 200 collaborateurs pour 150 représentants. En Espagne, de la même manière, environ 200 collaborateurs pour un peu plus de représentants cette fois. Et puis en Allemagne, on estime qu'entre 800 et 1000 personnes travaillent pour les groupes parlementaires. On retrouve là aussi ce rapport de 1 à 8 entre la France et l'Allemagne. À noter une spécificité, mais Georges Bergugnou l'évoquait tout à l'heure, en Norvège, les membres du Parlement n'ont pas de collaborateurs personnels, et donc tout le travail d'assistant parlementaire se fait par les groupes qui reçoivent à cette fin une contribution spécifique, puisque chaque année, c'est environ 440 000 euros par groupe, plus 70 000 euros par député, qui est accordé uniquement à cette fin. On voit donc que le financement des groupes révèle aussi l'orientation donnée au travail parlementaire, et on peut observer à ce moment-là des différences entre les parlements selon qu'il s'agit plutôt d'un parlement de parole, à l'exemple britannique, ou d'un parlement de travail, plutôt le cas allemand, selon qu'il s'agit d'une chambre privilégiant la séance plénière
ou le rôle des commissions dans lesquelles les groupes ont un rôle moteur, ou selon encore que le travail parlementaire réalisé présente une dimension essentiellement technique, encore une fois l'Allemagne, ou davantage politique, comme en France ou en Italie surtout. En troisième lieu, enfin, je me dépêche, la question du financement est également révélatrice d'une certaine conception de la démocratie. À trois égards. Tout d'abord, on observe dans certains parlements une subvention spéciale attribuée à l'opposition. Alors, sous différentes formes, au Danemark, la subvention attribuée au groupe en fonction du nombre de représentants varie selon qu'il s'agit de simples membres du Parlement ou de parlementaires également membres du Parlement, puisque dans la tradition parlementaire classique, et contrairement à ce qui se pratique en France, il n'existe pas d'incompatibilité des fonctions parlementaires et gouvernementales. Ce qui fait que les groupes reçoivent en principe une allocation de 6 000 euros par représentant membre du groupe, mais celle-ci est réduite de 2/3 lorsque ces membres du groupe sont également membres du gouvernement. En Allemagne, c'est un bonus qui est accordé aux groupes d'opposition avec une double majoration de la subvention, 15% de plus s'agissant de la partie fixe, 10% de plus s'agissant de la partie variable par représentant. Et puis au Royaume-Uni, on a un mécanisme spécifique, ce qu'on appelle le short money, qui a été introduit en 1975 et qui couvre les frais permettant aux partis d'opposition de remplir leur mission parlementaire, le paiement de déplacements et de voyages des membres des groupes d'opposition et puis une allocation spéciale pour les frais du leader de l'opposition. Là encore, pour vous donner une idée, en 2016-2017, les sommes allouées au seul groupe parlementaire d'opposition atteignaient 10 millions d'euros. 9 millions pour les frais généraux, 200 000 pour les frais de déplacement et puis 800 000 euros pour le leader de l'opposition. Mais quelle que soit la forme retenue pour cette subvention spéciale, cette prime à l'opposition marque quand même une volonté de donner aux groupes qui ne soutiennent pas le gouvernement les moyens d'assurer un rôle important et donc aussi de défendre le pluralisme et la possibilité pour les forces en présence de s'exprimer. Ensuite, la question du financement des groupes pose également celle du contrôle et des exigences de transparence qui, évidemment, sont des questions éminemment sensibles dans les démocraties représentatives qui sont les nôtres. Ça a été évoqué tout au long de la matinée. Là encore, on observe une certaine homogénéisation des pratiques avec des règles de deux ordres. D'abord, les textes qui prévoient souvent que les fonds mis à la disposition des groupes ne peuvent servir qu'au financement d'actions en lien avec l'activité parlementaire. Ce n'était pas si évident que ça partout. Et de ce point de vue-là, on voit que la réglementation la plus détaillée, c'est celle du Parlement européen, puisqu'on a une énumération de ce à quoi les crédits mis à disposition des groupes ne peuvent pas servir. Et puis des règles procédurales et de contrôle avec, là encore, des choses largement partagées. En général, les formations politiques doivent établir leurs comptes, les faire certifier par un organisme externe, et parfois les publier avec des sanctions pouvant aller de la mention des violations constatées dans un rapport, par une juridiction des comptes, parfois en Allemagne par exemple, jusqu'au gel du budget des groupes, voire à une obligation de restitution des sommes irrégulièrement utilisées, c'est le cas au moins au Danemark. Le renforcement des exigences de transparence est assez net, et chaque système faisant à l'évidence un pas supplémentaire. La question est néanmoins révélatrice de différences qu'on peut qualifier d'ordre culturel. On se rend compte, encore une fois, que la réglementation la plus détaillée est donc celle du Parlement européen. On se rend compte, mais comme Gilles le soulignait, que lorsqu'on interroge les différentes chambres, je profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont répondu à mes sollicitations, lorsqu'on interroge les différentes chambres, les réponses les plus détaillées viennent du Danemark, d'Allemagne ou de Belgique. Et de même, lorsque l'on cherche des informations sur les groupes parlementaires et leur financement, quel que soit le pays concerné, ce sont souvent les groupes écologistes ou les groupes verts qui fournissent le plus d'informations, notamment via la publication sur les sites internet de leurs données budgétaires, financières. D'autant que la question du financement des groupes, financement public des groupes, peut également s'ajouter celle d'autres sources de financement, les cotisations des membres, mais aussi dans certains pays, la possibilité de dons de personnes privées qui abondent là aussi les comptes des groupes. Enfin, et j'en termine vraiment rapidement, la question du financement révèle aussi les liens avec, que les entités, que les groupes parlementaires entretiennent avec les partis politiques. Alors, dans certains cas, ça se confond très largement, c'est le cas au Royaume-Uni, mais même dans les cas où il existe une distinction entre le groupe et le parti politique,
la question du financement du groupe réapparaît parfois dans le contrôle des comptes des partis politiques, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes au regard à la fois de l'autonomie reconnue au Parlement et la possibilité d'un véritable contrôle des éléments ainsi partagés. Je m'arrête là, mais simplement pour dire, et là encore je vous renvoie à la communication écrite ou à la contribution écrite, mais le financement public du statut matériel des groupes est quand même un assez bon indicateur du fonctionnement des assemblées et un révélateur des pratiques, des équilibres et des interrogations que posent aussi les groupes parlementaires. Je vous remercie. Merci Damien, c'était passionnant. Alors je ne sais pas si l'on peut s'octroyer quelques minutes. Même pas, eh ben non, voilà. Alors voilà, donc c'est le vin Mosellan tout de suite. Et donc à cet après-midi. Désolé, il faut libérer les interprètes, leur permettre de souffler, de s'alimenter aussi. Donc comme hier, le déjeuner a lieu au 4-3 au 6e étage. Tous ceux qui sont ici sont conviés, comme ça au moins c'est simple. Reprise à 14h précise, puisqu'il y aura, j'imagine, des départs en train, en avion, etc. Donc il faut que nous soyons très rigoureux sur les horaires cet après-midi. Et donc s'il y a des questions rentrées, on pourra, j'espère, les repréciser, les reformuler tout à l'heure. Voilà, à tout de suite.